Nous vous emmenons en Armorique, dans l'ouest de la France, un pays salé, hérissé entre la Manche et l'Atlantique. Sur la péninsule bretonne, la terre et les hommes affrontent depuis des siècles les assauts furieux de la nature et de l'histoire. Et là, sur 30 000 km² de terre, par 3 000 km de littoral, 5% de la population nourrit 45% de la nation. Parce que les hommes prennent la mer, parce que l'immense océan leur a donné du caractère et son langage, un dialogue permanent entre les vagues et les quais. Notre voyage sur la côte atlantique commence au Guilvinec, le quatrième port breton. Du plus loin qu'ils en reviennent, les chalutiers, à l'heure de la criée, font tanguer les marins-pêcheurs et siffler les moteurs encore plus fort. C'est le débarquement au port. Même en terre de Bretagne, sur les îles où nous débarquerons, ou en remontant les bras de mer, chaque personnage que nous vous invitons à découvrir a cet horizon de rêve, la mer. Un natif du pays, Jacques Kerouac, écrivait que tous les poissons du monde parlent le breton. Et le renom du Guilvinec, c'est la langoustine. Bonjour, bienvenue en Bretagne. Nous sommes au Guilvinec et j'ai choisi ce port de pêche pour vous accueillir et commencer ce voyage parce que c'est l'un des plus actifs et des plus vivants de la Bretagne. Nous sommes à l'heure du retour des pêcheurs, les casiers pleins de langoustines et de poissons. Assez pleins parce qu'il y a des bons coefficients de marée et la marée en Bretagne, c'est le palpitant de cette région. Nous allons commencer notre voyage à la criée du Guilvinec. 65, le merlu. La criée, c'est une vente aux enchères ultra rapide où le crieur débite un monologue incompréhensible à mes oreilles de néophyte. En quelques minutes, la pêche de 50 chalutiers côtiers est expédiée aux poissonniers, à la conserverie ou en brasserie. Il y a 1600 marins-pêcheurs dans le pays bigoudin. Le Guilvinec, c'est la capitale de toute la production. Langouste, lotte, réfleurie et autres merlus. Et le plus gros n'est pas toujours le plus cher. 123 kilos ce requin, il est parti aux enchères à quelques francs le kilo. C'est lourd ? Ouais. Ça va ? Je peux le prendre ? Il fait son tour. Changement d'embarcation. Cap au large, par l'est et à fond les manettes, vers l'archipel légendaire du Finistère, les Glénans. Depuis Concarneau, deux bateaux estivaux emmènent les visiteurs et les locataires des îles enchantées. Mais nous sommes en arrière-saison. D'un côté, le littoral est calme et désert. De l'autre, il n'y a qu'un bateau par semaine. Les Glénans, groupe de 7 îlots balayés par les écueils sur des icebergs de granit et de sable, abritent des traces préhistoriques, un laboratoire maritime des couples nicheurs de goélands et surtout une école de voile cinquantenaire, libertaire et mythique. Des remparts de Fort Cigogne, des générations d'apprentis marins ont édifié la démocratie de la voile, gaillardement la fleur dans l'entrave. Alors on est sur l'archipel des Glénans, à 9 milles de la côte de Concarneau. 9 milles, c'est à peu près 20 km. La marée était bonne et nous, on est arrivés rapidement parce que c'était un peu luxueux. On est arrivés en bateau à moteur. Je suis avec Pierre-François de l'école des Glénans qui va nous raconter un petit peu comment c'est arrivé parce que c'est l'école de voile la plus ancienne, elle a 50 ans. Je suis déjà équipé du cours de navigation des Glénans qui est fameux. Parce qu'on va aller aussi naviguer, évidemment. Et comment s'appelaient les fondateurs des Glénans ? C'était Philippe et Hélène Vianney. Donc Philippe Vianney était l'animateur d'un grand réseau de résistance dans le nord de la France, qui s'appelait Défense de la France. Arrivant sur l'archipel, ils se sont dit c'est trop merveilleux. Ils ont eu un coup de foudre total. Ah, c'est très beau. Et ils se sont dit on ne peut pas le garder pour nous. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on fasse partager. Et donc ils ont vu avec le propriétaire de l'île du Loc, qui était Gwenaël Bolloré, l'autorisation donc, de s'installer pour faire un camp de vacances. Et puis en faisant ce camp de vacances, ils se sont vite rendus compte que quand il s'agissait d'amener de la nourriture depuis le continent, des choses comme ça, ils étaient tout le temps dépendants en fait, des marins-pêcheurs. Et ils se sont dit qu'il faut qu'on apprenne à naviguer. Et puis comme ils n'avaient pas vraiment de moyens financiers, les premiers stagiaires qui ont appris à naviguer, en fait en croisière, ont embarqué comme mousse sur des thoniers concarnois. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Un peu un choc, j'imagine, des jeunes parisiens ou des jeunes citadins qui arrivaient avec les thoniers de Concarneau. Oui, c'était un choc, mais c'était un choc
pour eux, je crois que c'était aussi un choc d'ailleurs même pour les gens de Concarneau, parce que c'est vrai que c'était un peu des Zoulous quand même, ces gens qui débarquaient, qui allaient vivre à la dure sur ces îles où il n'y a rien. Il n'y a même pas d'eau sur l'archipel. Non, en fait, la seule eau douce qu'il y a, c'est de l'eau de récupération de la pluie dans des citernes. C'est des conditions, je dirais, d'existence qui sont toujours un petit peu difficiles et qui restent même aujourd'hui encore relativement austères. Mais bon, il y a un cadre qui est un cadre tellement fantastique. Il y a, je crois, ce que les Glénans ont toujours su conserver, une pratique de vie collective qui fait que les gens se rencontrent vraiment, qui fait qu'en fait, 9 fois sur 10, les gens ils repartent, ils sont sous le charme complètement. Il y a toujours cette idée que les gens ne doivent pas être assistés et doivent pouvoir être capables d'être autonomes. On s'occupe de son matériel, on s'occupe de partager les tâches collectives, non pas, je dirais, par idéologie ou par choses comme ça, mais parce qu'une société, je dirais, qui vit sur une île a besoin de créer des réflexes de solidarité. Et je crois que ça permet d'avoir des relations beaucoup plus fortes entre les gens. Ici, c'était en fait un terrain de jeu idéal pour apprendre à naviguer, parce qu'il faut tirer des bords, c'est assez... C'est un terrain de jeu idéal parce que c'est à la fois un terrain de jeu où il y a des endroits où on peut naviguer en totale sécurité et en même temps il y a ce qu'on peut voir derrière nous, tout de suite il y a les cailloux, il y a un univers un petit peu plus hostile, un petit peu plus délicat. Donc en fait on peut toujours trouver, je dirais, un terrain où les difficultés sont à la mesure de ce qu'on a besoin d'apprendre. Ouh là 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 là, on va le laisser face au vent. Attends, vas-y si tu veux. Merci. Bah, tu montes. Voilà. Ça prend bien le vent, hein. Ah ouais, là, il y a une petite baisse sympathique. Là, on perd un peu de vent, on va en retrouver juste à la sortie. Bah, on perd pas du vent, mais comme on est vent arrière, on le sent moins. C'est parce qu'en fait, on avance bien. Bah, en fait, le bateau avançant, il y a de l'air qui vient de devant. Et l'air qui vient de derrière, donc en fait, ça fait que les deux vents s'annulent un peu et toi, t'as l'impression de pas avoir de vent. Tu veux peut-être monter au trapèze? Tu prends la barre? Hop! Non, plutôt tu vas. Et on se tient là. Vas-y, ouais. Tu te tiens là. Et maintenant, tu sors alors. Enfin, écarte un peu tes jambes. Écarte un peu, mets une jambe là, de l'autre côté. Voilà. Si t'es à l'aise, tu lâches. Et tu vois, c'est là où tu peux un peu tirer sur ta sangle. Vas-y. C'est sympa, hein, le trapèze, c'est assez brillant. Ouais, c'est ça. On trouve vite les trucs quand ça monte. T'es monitrice, tu es là, tu vois. Il y a une certaine fierté, c'est comme mythique, quoi. C'est la première, c'est la plus grande, c'est pionnière, elle a une âme, vraiment. Ouais, c'est sûr, mais je pense que c'est un... C'est un monitorat fédéral comme on peut avoir dans d'autres écoles. Hein. C'est pas plus sympathique que d'être sur le site qui est magnifique. Ouais, mais en plus, au Glénan, il y a un truc bénévole. Voilà, vous venez comme ça, vous êtes. On vient comme ça par plaisir. Par plaisir d'enseigner, en fait. Par de naviguer. Voilà, c'est ça. Oui, aussi de naviguer, c'est sûr. Bon, bah on va aller tout droit, on va arriver sur notre île. Retour au rivage du Morbihan. Depuis les Glénans, nous avançons vers la Ria d'Etel. C'est un aberre, une intrusion de l'océan dans les terres, comme un fjord breton. L'île de Saint-Cadeau est au milieu de la Ria, reliée au continent par un port, une chaussée miraculeuse, construite, paraît-il, avec l'aide du diable. On est au bout de la presqu'île de Saint-Cadeau. Toute petite presqu'île, une toute petite île dans la Ria d'Etel et je suis avec Philippe. On a mis une tenue un peu spéciale, une jupette et pour être bien étanche parce qu'on va partir en kayak de mer. Alors moi ça m'étonne un peu, les kayaks de mer c'est pareil que le kayak de rivière, c'est un peu plus lourd et ça se pratique beaucoup dans la Ria d'Etel. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont une forme qui est parfaitement adaptée à la mer avec des pointes avant relevées, donc ça permet de passer dans les vagues. Ce sont des bateaux qui sont très stables
et qui sont facilement accessibles. Il y a un petit peu de technique qu'on acquiert assez vite, mais l'intérêt c'est surtout de découvrir le site par un moyen un petit peu original et qui permet surtout d'aller partout, quoi. Il suffit d'avoir 20 cm d'eau et on passe partout là où les bateaux ne peuvent pas aller. Et pour toi ici, on est dans un des endroits les plus beaux, voire le plus beau de Bretagne. Ah bah, évidemment, bien sûr. Oui. Non, ici c'est un site exceptionnel puisqu'on a donc la rivière d'Etel, la Ria, c'est en fait un bras de mer qui rentre à l'intérieur des terres. Donc ça permet d'avoir des conditions de navigation qui sont faciles, même s'il y a assez protégé, même s'il y a un peu de vent comme aujourd'hui par exemple. Et en fait vous partagez les lieux aussi avec les ostréiculteurs parce que c'est le parc. Voilà, ici c'est un site très important pour le domaine de l'ostréiculture. Donc il y a énormément de parcs à huîtres un petit peu partout. Ben, pour les mêmes raisons, il y a un renouvellement constant de l'eau. L'eau est d'excellente qualité et puis c'est relativement protégé des coups de vent, etc. Puis les huîtres sont aussi d'excellente qualité. Hein. Voilà, ben, on va embarquer alors. Donc il y a une technique simple pour embarquer et débarquer. On va faire un radeau avec le bateau et la pagaie de façon à assurer la stabilité. Avec une main, on tient en même temps la pagaie et le bateau et avec l'autre main, on prend appui sur la pagaie. Donc on se met dans le bateau, donc là on risque pas de basculer, hein, c'est parfaitement stable. Ce qui stresse parfois un petit peu les gens, c'est d'avoir les jambes qui restent coincées. Si ça arrive et que tu te retournes, tu lâches la pagaie et simplement le geste, c'est en prenant appui avec les mains sur le côté du bateau, de dégager les jambes comme ça. Donc là en faisant ça, je vais vers le fond de l'eau en fait. Hein. Et là les jambes sont dégagées tout de suite et on remonte avec le gilet en 2 secondes. Quoi. Voilà. Alors tu vas sentir qu'avec les jambes, tu... Vas-y, fais-le bouger un petit peu comme ça. En fait, les jambes, elles sont pas passives. Alors vas-y tout doucement, mais tu vas être très à l'aise très vite. Non, non, il y a rarement des bains en petite balade comme ça. Faut vraiment le faire presque exprès pour aller au jus. Bon, on va remonter l'île tranquillement là. Dans la journée, on peut se faire une balade de 40-50 km sans difficulté, quoi. Enfin, à condition d'être un petit peu entraîné, mais c'est faisable. Quand on progresse bien, après, l'idéal, c'est de partir en mer. C'est un peu... Voilà, c'est ça. Après, on peut affronter les éléments, la grande mer, l'océan. L'air iodé de la rivière ajoute à la beauté vive de la lumière quand l'arrière-saison éclaire les petits bois de pins illustrés par Gauguin. Et grâce à sa latitude, la Bretagne est la région où les jours sont les plus longs. Allez, on avance. Nous reprenons la mer à bord du ferry qui, depuis l'Orient, rejoint l'île de Groix en 45 minutes. Une île de 8 km sur 3, coriace et amicale. Selon les temps, l'île fut un abri ou un exil. Elle a vécu un prospère passé maritime. Les thoniers à voile combattant le golfe de Gascogne sont dans toutes les mémoires grosillonnes. Aujourd'hui, à Portudy, les bateaux de pêcheurs sont petits, rassurants. Il paraît qu'on appelle les habitants les Grecs, ce qui veut dire cafetière en breton, parce que ce sont les plus grands buveurs de café de tout le pays d'Armor. Bon, sable. Bien sûr, tout est indiqué par terre sur l'île. Oui, en effet, elle est belle là. Le sable est blanc. Croyez sur les îles. Les Seychelles, par exemple. Voilà ce qu'il y a de particulier que je vous révèle enfin, c'est que c'est la seule plage convexe d'Europe. Elle fait face à la mer et c'est très rare. Elle est unique ici à l'île de Groix. Le sable est hyper fin, c'est un sable de quartz. Et pareil, en plus que c'est un très bon spot de plongée. J'ai laissé mon vélo, le meilleur moyen de balade à terre, pour les flots à l'est de l'île. J'ai rendez-vous avec l'homme qui m'a loué ce vélo, Polo. À la bicyclette, Polo préfère la pêche. Il est intarissable sur la technique, les anecdotes de prises fabuleuses, la malédiction des femmes à bord, tout ça. Bref, il est sympa. Donc là, on est au large de la place des Grands Sables. Et c'est assez poissonneux dans ce quartier. À cette époque-là, oui. Ouais, c'est... Ouais, c'est quand même un endroit où il y a souvent du poisson. Bon, à cette époque-là, c'est-à-dire l'automne, hein, tous les ans, à partir de fin août jusqu'au mois d'octobre,
on pêche principalement des dorades. Là, à partir du moment où on aura un petit coup de vent avec l'eau qui va remuer un petit peu, on va repêcher un peu de barre. Donc là, ça va servir à pâter. Voilà, alors ça c'est pour augmenter un peu nos chances. On appelle ça de la ch'trouille en Bretagne. Il y a des gens, on ne les fera pas pêcher sans utiliser ça. D'autres qui s'en foutent. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Puis ça fait partie de la pêche. Quoi. Préparer la ch'trouille, tout ça, ça fait aussi partie de l'histoire. Donc on va mettre ça, on va voir un petit peu comment le bateau va tourner. En tout cas, la pêche, ça ne s'improvise pas, même à la ligne, il faut apprendre, il y a des techniques. Wow. Ouais, quand même. Quand même, c'est pas... Bon, il y aura toujours le chanceux qui prendra du poisson, quoi. Mais quand même, faut s'appliquer un peu, quand même. Ouais. C'est dans un bouquin de Greg Leslie, qui est un auteur américain contemporain, et un pêcheur qui dit à son neveu, tu sais, oublie jamais que 90% des poissons sont pris par 10% des pêcheurs. Et c'est à peu près ça. Hein. Il y a ceux qui pêchent et il y a ceux qui vont à la pêche, c'est pas pareil. C'est toujours les montages les plus simples qui marchent. Vous avez pêché quelque chose la dernière fois ? Pas tellement. On a fait quelques poissons. Oui, on avait pêché quelques dorades, une ou deux, je crois. On avait essayé les barres, on n'avait pas pris un. C'est presque parfait comme bateau pour pêcher. Bah, Pékin, il y a de la place, il est à peu près sécure. Avec les rambardes comme ça, on est bien. Ouais, il y aura encore quelques modifs à faire cet hiver, quoi. Et puis, pour l'année prochaine, on ira pêcher les peaux bleues. C'est quoi les peaux bleues ? Les requins. Il y en a, là ? Ouais. Plein ? Ouais. Des gros ? Ouais, des fois, des gros, ouais. C'est vrai ? Ouais. Un gros peau bleue, ça peut faire 50 kilos. C'est déjà un beau poisson. Et puis, tu peux prendre des taupes aussi. Ce sont une autre espèce de requins, des requins beaucoup plus ventrus, beaucoup plus trapus. Et ça, ce qu'on prend par ici, font entre 200 et 300 kilos, voire plus. Donc là, c'est des gros poissons. Hein. T'en as pêché ? Ouais. Ce qu'on voit souvent ici, c'est les requins pèlerins. Les gros requins baleines, quoi, les trucs qui font 6-7 mètres de long, qui mangent du plancton. Alors ça, tu les vois sur l'eau, ils passent à côté des bateaux et tout. C'est impressionnant parce que c'est très gros, c'est complètement inoffensif, quoi. Mais ça a une gueule comme ça, ouverte, là, et puis... C'est la pêche à la ligne. Oh non, enfin, pêche à la ligne, c'est-à-dire à la canne. Ouais, je pêche beaucoup à la canne, mais je pêche à la traîne, je pêche ce qu'on appelle ici à la petite ligne, c'est-à-dire en posant des lignes qu'on lève à la main, comme ça, c'est sans canne à pêche. Ouais, toutes les pêches sont bien. Ouais. Bon, j'espère que je vais vous porter chance quand même, parce qu'il paraît qu'il y a des traditions qui disent qu'une femme à bord, c'est pas... Ah là, malheureuse. Tradition, hein. Pas de femme, pas de savon, rien, hop. Voilà, c'est notre première prise, mais c'est pas un cadeau, il paraît. Hein. Une énorme étoile de mer, moi je la trouve magnifique. Ouais, c'est vachement beau. Hein. Il y a plus gros que ça encore. Hein. Ça détruit tout. Hein. C'est vraiment des cochonneries. Pas de pitié. Je ramène quelque chose, je sais pas quoi, c'est pas un poisson. J'ai dû crocher deux lignes ensemble, voilà. Ouais. Hop, c'est pour ça que c'était lourd. Voilà, nous on rentre prendre notre bateau. Un peu bredouille, mais bon. Pas un poisson. Bon, d'accord, on est rentré bredouille, c'est pas glorieux, mais je vous assure qu'avec Polo, on peut pêcher des choses. Regardez là, il a pêché des barres absolument énormes. Un mastodonte de 5,6 kg. Donc les eaux autour de Groix sont quand même très poissonneuses. Là, il y a même les petits requins. Bon, même si on rentre bredouille de la pêche et qu'on a envie de rester un peu pour attraper un poisson jusqu'au dernier moment, il faut pas oublier qu'il y a le bateau qui nous attend pour rentrer en rade de l'Orient. Et depuis l'île de Groix, et ben parfois, avant l'heure, c'est déjà l'heure. On avait un bateau à 5h30 et le ferry n'a pas attendu. Il était plein, il est parti à 5h. Bon, on a de la chance parce qu'aujourd'hui, il y aura un ferry supplémentaire. Mais c'est un truc à savoir, parfois ici, avant l'heure, c'est déjà l'heure. D'île en île, nous partons pour le vaisseau amiral, la plus grande, Belle-Île. Une île dépouillée d'ombre, chantent les poètes bretons. Depuis l'Antiquité, la position de l'île servait de relais entre les Grands-Bretons et les Espagnols.
arrive à Belle-Île, 45 minutes de ferry nous séparent du continent. On est parti de la presqu'île de Quiberon un peu tôt. Et on est accueilli à Belle-Île au palais, la citadelle de Vauban, construite au 15e siècle. Il fait un peu gris, j'espère qu'on ne va pas avoir de grains, mais il paraît qu'en Bretagne, il fait toujours beau. Et c'est vrai que le ciel ne se fait pas attendre, il est très changeant. On va débarquer donc au palais, faire une petite balade à l'intérieur de l'île. Belle-Île a été gâtée par la nature. La côte sauvage, la lande, il paraît que les fées de Brocéliande, de la forêt magique, se sont penchées sur sa création. Et puis ce sont les hommes, en construisant la citadelle, qui l'ont protégée des multiples pillages saxons, normands, hollandais, anglais. Elle a servi de prison avant de devenir, à l'aube de notre siècle, un lieu huppé. Elle avait un ami, le peintre Georges Clairin, qui est l'auteur de ce tableau, qui avait une maison en Bretagne Sud et qui l'a invité un jour à explorer Belle-Île. Donc elle est venue avec lui. Ils ont fait le tour de Belle-Île, en voiture à cheval, bien entendu. Et puis elle est tombée en arrêt devant le Fortin. Et elle a dit, je l'achète et nous y viendrons tous les étés en vacances. Et elle est venue pendant 30 ans de suite sur Belle-Île, de juillet jusqu'en septembre. Saint-Bernard a révolutionné l'île parce qu'elle avait une renommée d'actrice, et plutôt de tragédienne. Et elle a remué beaucoup de monde ici. Elle était très active. C'était la pêche à la crevette, c'était la chasse, c'était des réceptions, des dîners. Et puis elle a eu énormément d'animaux. Elle a eu un boa, elle a eu un petit crocodile, elle a eu toutes sortes d'animaux. C'était vraiment un personnage hors du commun. À son époque, personne ne la concurrençait en fait. Les hommes s'agenouillaient devant son passage, c'était une adulation extraordinaire, oui. Parce qu'elle était très mince. Un auteur avait écrit « Une voiture vide s'arrête devant le théâtre français, Sarah Bernard en dessin. » Hors musée, Belle-Île est encore davantage un chef-d'œuvre, enchanteur et diablement attirant. Sur la route, on borde d'immenses landes livrées aux ajoncs. On se souvient que Claude Monet, venu passer 15 jours ici, y est resté plusieurs mois, 40 toiles plus tard. L'île inspirée. Ont aimé Alexandre Dumas, Gustave Flaubert, Prévert, Matisse. Ici, c'est la côte sauvage de Belle-Île. Nous sommes sur la plage d'Erlin et c'est tout à côté de Bord-la-Gadec. C'est là qu'on a rencontré Jean-Guillaume. Je vous emmène découvrir un sculpteur assez étonnant. Et c'est ici qu'il a trouvé la matière première de ses sculptures, les moules. Bord-la-Gadec n'est pas très facile à trouver. Il n'y a que quelques habitants parmi les 4000 âmes de l'île. Mais bon, rien n'est jamais très loin et il suffit de demander la maison des bateaux moules qui acquiert une certaine célébrité. Même si Jean-Guillaume n'est pas tout à fait bellillois, il en révèle la mémoire. Quand je me suis installé à Belle-Île, il y avait encore deux vieux qui faisaient des bateaux traditionnels, des anciens pêcheurs qui sculptaient des bateaux. Et puis, tout ça, ils sont tous partis, ces vieux-là, et personne n'a pris la relève. Je trouvais ça dommage de vivre sur une île et que ce côté de l'imaginaire de l'île disparaisse. Donc ça m'a paru évident, au bout d'un moment, de reprendre un peu ce flambeau dans un esprit un peu poétique. Tous ces bateaux ont existé, ont été construits en tout cas à Belle-Île entre 1900 et 1910. Alors c'est des familles de gens, de marins ou de capitaines d'armateurs qui sont encore présents ici à Belle-Île. Donc je remets en vie les éléments de leur passé qui sont presque ignorés par eux. Ils savaient bien que l'arrière-grand-père avait un bateau, bon, mais oui. Et maintenant, ils savent le nom du bateau, où il était construit, et je peux éventuellement avoir d'autres renseignements, c'est-à-dire comment il a vécu, comment il a fini ce bateau, et qu'est-ce qui lui est arrivé, quel type de pêche il faisait. Je me sers de documents comme ça, parce qu'aux archives, à partir du numéro du bateau et la forme générale donc, de ce bateau, moi je retrouve toute son histoire. Quel patron, le nom, je vais avoir le nom des gars qui sont à bord, qu'on voit là.
En fait, c'est comme la dent, quoi. La moule, c'est très fragile, et puis en même temps, c'est très dur. Donc il faut des instruments diamantés, là. Alors voilà, une fois la moule coupée, bah finalement, la moule coupée montée sur un petit châssis, ça fait ça, ça fait le petit bateau. On arrive à l'étape d'après, où on passe de l'ébauche au travail sur l'intérieur, c'est-à-dire sur le pont du bateau. Et comment vous connaissez les couleurs, parce que toutes les archives, c'est en noir et blanc? Je fréquente les musées, et je vais voir ce qu'ont fait les peintres du début du siècle, parce que c'est vrai, les seules choses colorées qu'on peut avoir, c'est les peintures de ces gens-là. Sinon, en noir et blanc, on peut extrapoler. Par exemple, c'est pareil pour ces bateaux-là. En noir et blanc, on arrive à distinguer les tonalités. On arrive à voir les zones qui sont plus claires que d'autres, les zones foncées et les zones blanches. Quelle précision dans tout l'accastillage et... C'est intéressant, ça me plaît bien. C'est les petites tiges de bois que vous trouvez ou... Oui, je fabrique tout là-dedans. Hein. La seule chose que je ne fabrique pas, c'est les petits engrenages qui sont là, qui font le cliquet du treuil. Et ce sont des engrenages que je récupère sur les montres mécaniques. Le petit canot qui est à bord des bateaux, ça vient de la mer. C'est simplement ça. Oh. Tout le monde connaît ça, les petits flotteurs d'algues. Et bien, une fois séché, ça me donne une petite annexe fondue en deux. Une petite annexe qui correspond parfaitement à l'échelle des bateaux. Sinon, toutes les petites parties en cuivre qu'on voit sur les bateaux pour passer le gréement, là, ça, c'est des vieux postes de télévision qui sont démontés. Donc, je récupère tous les bobinages, les charnières du safran. Là, c'est de l'étain que j'utilise. Donc, je suis obligé de taper dans les grands crus en Bordeaux pour avoir un étain de qualité. Ça, c'est difficile de votre travail. C'est assez éprouvant, hein, quand même, à la longue. Hein. Les bateaux sont faits à peu près au centième. Mais je fais en sorte que quand on met le nez dessus, plutôt que découvrir des pâtés, des imperfections, on rentre vraiment dans une réalité possible. Enfin, il n'y a pas d'événement technique qui arrête l'imaginaire. Les assemblages sont faits tels qu'ils étaient à l'époque sur les plans des bateaux. Le sens du bois correspond à la réalité. C'est très long. On ne compte pas, mais... Non, je ne compte pas vraiment, à vrai dire. Quand vous le faites, vous imaginez un peu la vie à bord? Vous pouvez imaginer des choses comme ça? Oui. Puis la vie à bord, ça a un écho encore aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai des copains qui font ce métier. Je sais comment on vit à bord d'un bateau. Je sais ce que c'est que la vie de pêcheur. Plus rude à cette époque-là, quand même. Oui, c'est vrai, mais on a malheureusement chaque année des relents de drames ici. Dès qu'on entend la sirène ici, on sait qu'il y a un problème. Et on se demande qui, quoi, où, comment. Il y a de fortes chances qu'on connaisse. On sent forcément. Ah oui, on connaît tout le monde. Donc on se sent concerné. C'est toujours vivant, quoi. Il n'y a rien que le présent. Hein. Il y a une continuité. Bel ami inconsolable, va sans crainte, au point du jour, retrouver ton compagnon. Nous retrouvons le port où l'ex-capitale de la sardine à l'huile a changé de spécialité. Aujourd'hui, ce sont les ferries qui font le plein de touristes l'été. Il y a 30 000 insulaires saisonniers, près de 15 navettes quotidiennes avec le continent en direction Quiberon. Avant de s'embarquer, on rêve à la hauteur des haubans au fracas de la citadelle, et au cri des goélands. On a profité de la marée basse pour s'arrêter plage de Penthièvre. On est sur la presqu'île de Quiberon, tout près du fort de Penthièvre. Il y a une immense plage sublime de 10 km. On est venu faire une petite initiation au char à voile. C'est très souple, on peut venir juste pour une leçon de 2h30. Et je suis avec Géraldine qui fait ça depuis pas mal de temps, qui forme beaucoup de gens. C'est ça, en 2h30, on peut avoir une petite initiation au char à voile, savoir un peu évoluer. C'est pas très difficile et c'est assez vite ludique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en 2h30, on peut rendre une personne autonome facilement et dans des conditions de sécurité. C'est bien, là, la plage est très plate en plus, elle est superbe. Elle est réputée pour être très roulable parce qu'elle est souvent très lisse. Le sable est très dur
Et on a des vents dominants qui viennent donc de l'océan, qui sont des vents frais et qui nous permettent de rouler très souvent. Donc pour se diriger, c'est très simple, c'est avec les pieds. En fait, il suffit d'appuyer d'un côté ou de l'autre pour prendre sa direction. Ensuite, pour avancer, on va agir sur ce qu'on appelle l'écoute. Donc l'écoute va permettre de gonfler ou de dégonfler la voile. Voilà. Pour s'arrêter, il suffit de tourner face au vent. Allez Cécile, il faut gonfler sa voile maintenant. Pour aller plus vite, encore. Encore, encore. La grande plage de Penthièvre, restée à l'état sauvage, est, paraît-il, l'été, appréciée par les naturistes. C'est sans doute pour cette raison que la plage n'est pas équipée de cabine de bain. Il faut dire aussi que Quiberon jouit d'un record méditerranéen sous un climat océanique. 2000 heures de soleil par an. Près de 5000 ans avant Jésus-Christ, l'homme, vêtu de peau de bête, était déjà présent sur la presqu'île. Des sépultures et des silex ont été découverts. Plus probant, les mégalithes qui jonchent la terre de Bretagne sont datés de 4000 à 2000 ans avant notre ère. Tumulus, menhirs ou dolmens manifestent de croyances symboliques, de pratiques culturelles dont l'absence de traces écrites rendent la signification toujours mystérieuse. On sait qu'ils étaient transportés parfois de plusieurs kilomètres. Impressionnants morceaux de bravoure néolithique, ces monuments de granit pèsent jusqu'à 300 tonnes. Le littoral du Morbihan compte beaucoup de sites, Locmariaker, Carnac, Quiberon et le golfe du Morbihan. En quelques kilomètres, nous sommes à l'embouchure du golfe sur un quai tranquille de Port-Navalo, à l'extrémité de la presqu'île de Ruisse. Morbihan en breton, ça veut dire petite mer. Et c'est ça le golfe, une mer intérieure couvrant entre 47 et 130 km² selon la marée. À Port-Navalo, un goulet d'entrée des flots de 900 mètres de large et seulement 30 mètres de fond. Le courant est très fort, même si le vent est doux. La pêche est artisanale et nourrissante. Le golfe du Morbihan est si beau qu'il est classé patrimoine naturel international. Nous allons y voguer sur un voilier assorti à sa splendeur avec Gilda, peintre, poète, voyageur, navigateur, breton en tout cas. On navigue comme on veut, on accoste où on veut. L'idéal pour naviguer dans le golfe, c'est d'avoir un bateau avec un petit tirant d'eau. Parce que tu peux aller partout, tandis qu'autrement c'est relativement limité parce que les fonds sont assez hauts, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans le golfe. Mais avec un bateau à fond plat, avec une dérive, etc., tu relèves tout ça et tu vas accoster dans la moindre plage, la moindre pointe. Toi, pourquoi tu choisis un bateau comme ça ? Choisir un bateau comme ça parce que c'est sentimental, c'est le bateau de mon enfance, quoi. Il y a eu beaucoup de bateaux comme ça à une époque. L'architecte qui a dessiné ce bateau, c'est un très bon architecte, c'est un bateau très réussi, c'est un bateau très marin. On peut faire les manœuvres tout seul, si on a un problème on peut monter en tête de mât sans être un athlète. Puis c'est du bois, moi j'aime pas naviguer sur les bateaux en plastique, c'est des bateaux avec le roof qui est en plastique, là autrement tout est en bois. Il y a des tas de gens qui n'aiment pas les bateaux en bois parce que ça les ennuie de repeindre leur bateau tous les deux ans, mais moi j'adore ça, je trouve que ça fait partie des bateaux. Oh qu'il est moche ce bateau. Bonjour. Quel horrible bateau. Aucune raison de t'écarter du vent. Tu le sens le vent là, non? Quand ça refuse ou quand ça donne, non? Je le sens une fois qu'il est dedans, mais... Tu vois, regarde, là, tu vas pas tarder à déventer ton coq, le vent. Voilà, comme ça, là, reste comme ça. Ouais.
L'offre un peu. Tire la barre. Tire. Ouais, bien, ouais, c'est bon. Remonte dans le vent comme ça. Tant que le vent te le permet. Je trouve ça sympa d'apprendre aux gens un peu quand même. Oh, un moment de quiétude. Douceur. On va mouiller par là de toute façon. Une cinquantaine d'îlots et beaucoup d'oiseaux posés sur ces mégalithes. Ce monde protégé comme un cercle parfait offre un spectacle qu'André-Gide définissait, elle, une aquarelle sans ligne. D'aquarelle ou d'huile, les marais du Golfe ont inspiré dans leur toile Signac, Frelan, Pérodin. Gilda, lui, a rapporté d'un voyage au Kerguelen, îles australes au nom breton, ses carnets tempêtes d'un lointain archipel où il a goûté rigueur, bourrasque et isolement. Ici, c'est un peu calme et volupté. Il y a des moments, c'est doux les Kerguelen. Des moments, c'est assez curieux parce que tu pourrais croire que c'est vivable. Ça dure qu'un instant en fait. Tu vois, il y a des moments, c'est carrément charmant quoi. À l'île aux Moines, où nous avons rendez-vous avec les vieilles plates du Golfe, les Sinagos. On quitte l'île aux Moines assez tôt, question de marée. Encore. La mer est haute à 9h ce matin. Et après notre cours de navigation dans le Golfe du Morbihan avec Gilda, ce sont les Sinagos qui nous ont rejoints, les ancêtres des bateaux créés exprès pour le Golfe du Morbihan. Et on va continuer à explorer cette petite mer. Parce que Morbihan, en breton, ça veut dire petite mer. On va jusqu'à Séné, c'est le port d'attache de tous les Sinagos. D'où le nom Sinago, Séné. Le président de l'association Les Amis du Sinago va nous en raconter un peu plus sur ces bateaux magnifiques. Celui-là, les trois frères, c'est le seul qui était réellement Sinago à l'époque. C'est pas une reconstitution. Non, c'est un... entretenu et... Il a une cinquantaine d'années. Il a 54 ans exactement. Il a été construit en 1943 pour un pêcheur de Séné qui a navigué pendant 10 ans avec à la pêche. Donc il faisait la Seine dans le Golfe. Et en 1943, il y avait encore quand même un peu plus de 50 unités qui naviguaient. Et tous de la presqu'île de Séné. Pratiquement chaque famille à Séné avait son sinago. Et montait à bord donc le patron, le pêcheur, son mousse, ou son matelot. Et ils allaient alors pêcher les palourdes sur le golfe. Ils faisaient un drague aux huîtres aussi, beaucoup. Le golfe du Morbihan, c'est quand même le berceau de l'huître plate. Et ils draguaient sur les bancs naturels. Il faut absolument draguer à un temps donné et limité dans le temps et dans l'année. Or, les sinagos, il fallait bien survivre, ils fraudaient. Ils draguaient en dehors la nuit. Et naturellement, les douaniers étaient en chasse en permanence. Et les sinagos, qui avaient des petits bateaux qui pouvaient donc faufiler entre les îles et à fond plat, c'était le but de l'opération, arrivaient et ils évitaient de se faire prendre par les douaniers. Et c'était un métier quand même très dur et très peu lucratif. Il fallait voir ces gars-là, c'est quand même, moi, on a eu affaire à eux quand on était jeunes, c'était des hommes très rudes. Hein. Ils partent, moi je me rappelle, moi, j'habitais à l'île aux Moines chez ma grand-mère, et ils arrivaient avec leurs paniers ronds. Sur la tête, ils marchaient droit comme un i, ils arrivaient devant la maison de ma grand-mère, on disait « poisson, pas de poisson ». Ma mère sortait avec la balance et tout, on arrivait directement à avoir du poisson pêché de la nuit, quoi. «
a récupéré nos trois frères, qui s'appelaient à l'époque Solveig, et que les amis du Synago ont remis à l'état d'origine, tel que vous le voyez actuellement. En 1985, les trois frères est passé monument historique. Bon, il manque évidemment les filets. Si on pouvait le remettre vraiment à l'ancienne, ce serait ici bourré de filets, bourré de drague, il y aurait de la paille ici. Ce serait, on serait tous avec un grand béret, des pantalons taillés dans les voiles, dans les vieilles voiles, avec des bottoquettes, c'est-à-dire des sabots sur lesquels ils avaient cloué des pneus de chambre à air pour faire des bottes. Quoi. Le mât, bon, bah, c'est un mât de sapin. Les voiles sont toujours en coton. C'est du coton, mais tanné. Quand l'eau tombe dessus, ça perle un petit peu comme sur une toile de tente. Ça rentre plus dans le tissu, mais c'est quand même provisoire, puisque c'est un tannage, après le tannage, quand il pleut, tout le monde est rouge, hein. Pas de doute. Les voiles rouges sont un petit peu, dans le golfe du Morbihan, liées au Synago. Quand les gens, comme l'île aux moines, les voyaient arriver, ils voyaient les Synagos, ils englobaient le personnage et le bateau en même temps, d'où son nom, qui était à l'origine Chaloupe Synagote, qui s'est rapidement transformé en Synago. Et il y en a eu jusqu'en 1943, donc celui-là, le dernier. Et on ne dépassait jamais la baie de Quiberon. Ils allaient rarement à la Turballe ou à Belle-Île, parce que le bateau n'était pas fait pour la haute mer. Il était surtout pour les fonds. Regardez, là, il y a du vent, et la mer est plate. Et le Synago ne se plaît que de ce genre de mer, voilà. Malgré l'abandon des Synagos pour la drague, au sens ostréicole s'entend, la bonne fortune de ces vieux bateaux est l'attention de leurs galants entreprenants. Ils honorent les chaloupes que l'on nommait coques du village. Vainqueurs des jaloux, courent après, sans gêne, on les aura. Et souviens-toi, on range les voiles en quittant l'extrême occident de la péninsule. Cap à l'est, dos au soleil dont on espère toujours, apanage des bouts du monde, un ultime rayon vert. Changement d'embarcation et de végétation, depuis Séné, le port d'attache des Synagos, nous avons pris la route pour la terre historique de Bretagne, que l'on aborde via les flots tranquilles de l'Oust. On est devenu marin d'eau douce pour remonter le canal de l'Oust. Il y a 600 km de voies navigables, de voies fluviales en Bretagne. C'est avec ce bateau, le bateau de Gilles Le Ray, qu'on va arriver dans le pays de Pleurouette, découvrir l'intérieur de la Bretagne. C'est assez bucolique, ouais, c'est joli, on traverse des tas de paysages, des bois, des... Ben là, on va arriver sur l'écluse de Saint-Jouan, qui est à 2 km de Josselin, justement. Donc on a 119 écluses sur 300 km. Ah, c'est pas mal, dis donc, 119 écluses. Avec le point culminant entre Rang et Pontivy, on a pratiquement 130 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et le canal autrefois était utilisé pour la navigation marchande? Les péniches transportaient de la chaux, de la ferraille, de la pierre, du sable. En fait, le canal était prévu pour éviter le blocus des ports français par la flotte anglaise. Donc c'était pour ravitailler Brest, Nantes, directement par l'intérieur. C'est en cas de pépin ou simplement... Non, c'est pour prévenir l'écluse, quoi. Oui, oui. Bah, s'il n'est pas là, parce qu'il n'est pas toujours à poste. Et l'écluse est ouverte, c'est sympathique, ça veut dire que les navigateurs sont déjà passés là avant ou qu'elle nous a entendus à la corne de bois. Voilà, donc là on est prêt, on peut rentrer. Pas couché, non ? Non, 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 non. Très bien. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Hein. Ah, c'est du boulot, hein. L'été, il y a quelquefois 30 passages hein, au mois d'août, à la fin de la journée. Il y a certaines écluses qui sont électriques. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Oui, c'est assez rapide en fait. Oui, c'est vite fait, un petit quart d'heure, 10 minutes, ça passe quoi, 10 minutes, on passe. Temps de discuter un peu avec l'éclusière ou l'éclusier. Ah, bah, y a toujours le contact un petit peu avec les personnes, c'est ça qui est agréable aussi. Et on a le droit d'accoster n'importe où ? Vous pouvez accoster n'importe où, vous voyez un coin sympathique comme là par exemple, vous vous arrêtez, vous avez des piquets à bord et une massette, vous plantez vos piquets, vous accrochez, et puis là vous êtes en pleine nature, au calme.
Voilà, c'est notre façon d'aborder Josselin. Par la voie fluviale. C'est une petite cité de caractère très très jolie. On va découvrir d'abord son château. À Josselin, on retrouve trois des composantes essentielles en terre de Bretagne, la pierre, le granit, l'art et la foi. Le château de Josselin a étonnamment épousé le rocher au surplomb de la rivière. L'ensemble est imposant, splendeur du gothique, mais pas vraiment lourd. Et je crois qu'on a choisi le meilleur moyen d'admirer le château, vestige du Moyen-Âge belliqueux et déclaration intempestive d'une renaissance bretonne. Miroir, oh mon miroir, dis-moi. Mais oui, plus on le regarde et plus il est beau ce château. Au début de l'an 1000, Guéthénoc, seigneur de Porouet, l'a édifié. Son fils Josselin lui donne son prénom. Le cadet fonde la famille des Rohan. Après des siècles de vicissitudes, la forteresse appartient toujours aux ramifications du duché et les Rohan y habitent depuis 150 ans. Je vous emmène dans la salle à manger pour une visite particulière. Ici, c'est, faut pas oublier que c'est une forteresse qui a été abandonnée au début du XVIe siècle, de 1580 à 1860 pratiquement, bien il n'y a pas eu d'habitants. Et votre famille y réhabite depuis 150 ans. Voilà. Parce que est le 14e duc en titre, voilà. C'était le château. Troisième maire de Josselin également. Le quatrième. Olivier de Clisson est un homme qui a joué un rôle évidemment très important ici. C'est certainement le propriétaire de Josselin qui a été le plus influent, le plus riche et qui a joué le rôle le plus important dans l'histoire de Bretagne et même il a joué un rôle dans l'histoire de France. Il était commandant des armées royales comme connétable de France, c'était un successeur de Duguesclin et il a participé aux grands épisodes du début de la guerre de Cent Ans. Et il a ici beaucoup contribué à fortifier, à agrandir Josselin. Et il en a fait non seulement l'une des places fortes les plus importantes de Bretagne, mais les plus importantes de France. Et on a un choc quand on arrive ici. On croit rentrer dans une forteresse. Et dans cette cour, on a l'éblouissement que produit cette façade avec sa somptuosité et la profusion de sa décoration. Il s'agit d'une dentelle de pierre qui a été édifiée entre 1490 et 1510 environ. Donc les motifs sont d'une richesse et d'une variété très grande. Il y a à la fois des symboles et puis des sculptures. Dans la dentelle, par exemple. Dans la dentelle, oui. C'est une façade qu'on pourrait dire idéologique, dans la mesure où elle a pour but, certes, d'orner le château, mais aussi de proclamer ce qu'est le vicomte de Rohan. C'est surtout le carrefour entre le gothique flamboyant et l'art de la Renaissance bretonne. Quand on pense que ça a été réalisé dans un matériau aussi peu malléable que le granit, cette dentelle a résisté à l'épreuve du temps et c'est un phénomène tout à fait unique. Et je crois que la réputation de la façade de Josselin est telle que c'est ce qui fait aussi, pour une très large part, la réputation du château. Il y a un excellent moyen de découvrir la Bretagne, des sentiers cachés, ses manoirs et le pays du Plairouet, c'est à cheval. Suivez-nous. Moi, pour la faire avancer, je serre mes jambes, je talonne pas. Là, il suit tout seul. Super. Pour les cavaliers bien dans leur assiette qui ont dépassé le stade du tape-cul, bucolique et plein d'émotions nouvelles, la région accueille depuis 1825 le deuxième haras national de France. Avec 400 chevaux et 75 concours hippiques par an, là, les cavaliers rassemblent la puissance de leurs postiers bretons, livrés aux rêves de leurs esprits chevaliers bridés, le Morodan. Pour moi qui caresse ce rêve, loin comme l'horizon pour un cheval de trait, j'égare la bouche de mon cheval calme, dont la tête gentiment porte au vent. Mais revenons à nos moutons. Beaucoup de fermes comme ça, avec la maison qui est toujours très fleurie dans les villages. La commune de Lisieux, où nous mène notre écuyère, est parsemée de manoirs et fermes très restaurés, de gîtes ruraux simples et vacanciers. Le coin est recommandé pour le tourisme vert. Et le pays de Porouet, pays de fougères par monts et par vaux, a de jolies forêts qui vont s'assombrissant vers une terre de légende.
Alors, il y a plein de petits chemins là partout, là on monte, on descend, on fait un petit peu de cross. À cheval, c'est notre façon de passer dans un monde de contes et de légendes transporté en forêt de Brocéliande. Nous sommes au cœur de la Bretagne, au cœur de la forêt de Brocéliande. Brocéliande, ne cherchez pas sur une carte, ça n'existe pas, ça s'appelle la forêt de Pimpon. Elle est plus petite qu'à l'origine, elle fait 7000 hectares à présent, 20 000 à l'origine de la forêt. Et c'est elle qui abrite tous les personnages de la légende arthurienne que l'on trouve dans le premier roman de la littérature française qui a été écrit par Chrétien de Troyes en 1158. Alors tous ces personnages, c'est Arthur, Morgane, la fée Viviane, Merlin l'Enchanteur, les chevaliers de la Table Ronde. Et pour raconter cette histoire et pour vous faire revivre un peu à travers la forêt tous ces lieux magiques, je vous présente Xavier qui est guide et conteur de la forêt de Brocéliande. Alors pourquoi Brocéliande recèle de tant de légendes? Ça fait des siècles et des siècles qu'elle est légendaire. En fait, Brocéliande, on pense que ça vient du vieux gaélique Brec an Eléan, ça voudrait dire la forêt de la puissance magique. Et on disait déjà au Moyen-Âge qu'on parlait de la forêt de Brocéliande en France en disant la forêt de Brocéliande dont les Bretons vont souvent fablant. Déjà de nombreuses histoires fantastiques, merveilleuses liées à cette forêt. Forêt de la puissance magique parce qu'en effet, dans les récits, on y croise Merlin, on y croise des êtres un peu fantastiques. Un chevalier y chasse un cerf blanc et puis se perd et puis là va rencontrer le château du Graal ou va rencontrer une belle dame qui va l'emporter dans un lieu, l'autre monde. Le dieu des fées, des corrigans, ce que les Irlandais appellent les bonnes gens et qu'ici on appelle plus souvent le petit peuple. On va se promener de lieu en lieu alors de l'histoire de la légende arthurienne. Déjà on s'approche de ce être qui est un des plus vieux de la forêt, un être tri ou quadricentenaire. 300-400 ans, le être de Pontus, c'est quand même un des lieux assez remarquable parce qu'il est là, perdu tout seul au milieu de ces grandes plantations d'épicéas un peu sombres, parce qu'il pousse aussi, ses racines s'entremêlent avec ces roches qui seraient les ruines de ce château de Pontus. Pontus étant un chevalier, prince de Galice, venu ici pour reconquérir l'honneur. Et on dit que les pierres, alors, ce seraient les... Ce seraient les ruines, du château. Mais bon, c'est assez surprenant parce qu'on ne trouve pas de mortier, donc... Là, c'est encore un lieu de légende. Il y avait bien un château, on a des textes historiques qui nous parlent d'un château. Dans les parages, était cet endroit précis. La légende populaire raconte que ce château donc, s'est écroulé une nuit. On disait au début du siècle aux enfants qui menaient les bêtes dans la forêt de ne pas rester là le soir. Dès que venaient les premières ombres de la nuit, il fallait s'enfuir très vite car les soldats qui vivent là encore sous la terre ressortent chaque nuit et de leurs mains griffues entraînent les pauvres malheureux jusque dans les entrailles de la terre, dans les feux de l'enfer en fait. Mmh. Ça c'est déjà de la légende. À propos d'enfer, on va rejoindre l'endroit où Merlin l'enchanteur serait arrivé au début à Brocéliande assez jeune. Ça se passe non loin d'ici, près de la petite fontaine de Barenton. C'est Merlin qui institue la table ronde. Et tous les chevaliers installés autour de cette table ronde, certains disent 50 chevaliers, d'autres 150, vont voir apparaître à eux le Graal, qui est ce vase qui aurait recueilli un peu du sang du Christ et qui est un objet sacré. Ils vont chercher longtemps. Et peut-être que le principal de cette mission, c'est vraiment la quête, de partir à la recherche. Certains s'en approcheront. Il y aura Lancelot, il y aura Perceval, et puis il y aura Galade qui s'en approcheront. Mais jamais il ne sera ramené. Beaucoup de gens ignorent que Merlin, ses pouvoirs, toute sa magie, il le tient du diable. Le diable se dit, je vais envoyer mon fils sur la terre qui me ramènera tout le monde en enfer. Et il va choisir pour ça une jeune fille très croyante. Il va lui faire un enfant, mais Dieu va visiter la jeune fille et même visiter l'enfant dans le ventre de sa mère. Ses maléfices seront tournés en bénéfices. Voilà. En fait, il se trouve à l'équilibre entre le bien et le mal. Si bien que son père, le diable, essaye régulièrement de le rappeler à lui. Et c'est dans sa tête qu'il appelle Merlin à lui, qui dit « Merlin, ma chair, mon sang, reviens, répands le mal sur la terre ». Il y avait ici cette fontaine, connue depuis des temps immémoriaux, pour guérir les maladies de l'esprit. Alors quand son père, le diable, l'assaille, il vient ici, il se fond avec le fond de la fontaine. Et en effet, les gens disent bien la vérité, l'eau de la fontaine lui calme l'esprit, il n'entend plus rien. C'est pourquoi son père, le diable, pour le faire sortir de là, va faire bouillir l'eau de la fontaine autour de lui, et même va faire s'abattre ici la bourrasque, la foudre. Et en effet, elle a toujours de l'eau, même pendant les grandes sécheresses. C'est sans doute pour ça qu'on vient invoquer ici l'orage et puis la pluie.
de cette fontaine, on dit qu'elle bouillonne bien qu'elle soit froide. C'est celle qui bout bien que plus froide que le marbre, car la fée qui est là a un rire tout à fait particulier, qui consiste en de petites bulles qui normalement remontent régulièrement du fond vers la surface. Et l'enchanteur Xavier, qui se joue du temps qui passe, nous mène au Val sans retour, comme par un sortilège, chez la fée Morgane. Là, on est dans le domaine de Dame Morgane, qu'on appelle la fée Morgane, car elle avait des pouvoirs magiques, et qui était en fait la demi-sœur du roi Arthur. Ils avaient la même mère. Morgane était une femme de grande sensualité, très friande d'hommes, et elle avait de nombreux amants. Mais elle ne croyait pas en l'amour. L'amour chanté par les bardes, elle pensait que c'était juste un mot. Et arrive un jour à la cour du roi Arthur le jeune Guillaumarche, qui vient de ce pays-là, de quelque part de cette région-là. Lui vient aussi pour être un des fameux chevaliers. Et le rencontrant, elle rencontre le véritable amour, qui l'emporte complètement. Et elle, ne supportant pas son absence, va venir ici, dans l'espoir de le retrouver. Et elle va le retrouver en effet, mais... Dans les bras d'une autre. Les bras de sa fiancée légitime à lui. Et la douleur et la colère de Morgane est terrible. Elle ensorcelle toute cette vallée, décidant qu'à partir de ce jour, tout homme qui pénètre ici et qui aura trompé un jour sa dame en acte ou ne serait-ce qu'en pensée, eh bien tous resteront à jamais prisonniers de la vallée. Mais un sortilège, ça ne reste pas pour l'éternité, et il était dit qu'un homme qui de sa vie n'aura jamais trompé aucune dame pour un jour vaincre le sortilège de la vallée, et cet homme un jour viendra, il a pour nom Lancelot du Lac, et en effet de sa vie il n'a eu qu'un amour, malheureusement c'était pas sa femme, c'était la reine Guenièvre. Ce sera la guerre entre ceux qui veulent sauver l'honneur du roi et ceux qui veulent sauver l'honneur de la reine et les amis de Lancelot. Et à partir de là, c'est ce qu'on appelle la fin des temps aventureux, et ce ne sera plus que bataille et mort, et jusqu'au moment où Arthur jettera son épée dans le lac et la rendra à qui de droit. Excalibur. Un peu abusé par ses pouvoirs magiques, mu par un sentiment d'immortalité fulgurant, nous rejoignons pour saluer en beauté la terre du Finistère, la mer, à la pointe de Pinmar. Sur le plateau rocheux, le phare d'Ecmul, 65 mètres de hauteur, l'un des plus puissants des côtes, construit en 1897 et surmonté d'une lanterne à feu éclair, un monument entre ciel et terre. L'aubaine, c'est que l'on peut se rapprocher un peu du ciel. Le phare est ouvert entre juillet et août. Et si on lève un peu les yeux des semelles, pendant 307 marches, on peut noter l'intérieur en opaline. Et pour alléger son pas, on peut se dire qu'il y a 1700 marches à l'escalier de la Tour Eiffel. Alors ? Oh ! Très joli ! Et voici la lanterne providentielle pour les marins. La nuit, elle projette un éclair blanc toutes les 5 secondes. Et du balcon, la vue redonne du souffle. Toute la presqu'île de Pinmar, la côte Bigoudin, l'archipel des Glénans. On a gravi 307 marches pour atteindre le sommet du phare d'Ecmul. C'est un phare qui se visite au beau jour, en juillet et en août de préférence. Et d'ici, on embrasse une vue sublime. On voit jusqu'à 49 000 au loin, 70 km. C'est une des plus belles vues du Finistère. On a rejoint l'océan Atlantique, évidemment, et les côtes du pays Bigoudin. On vous quitte ici avec un sublime coucher de soleil qui s'annonce. J'espère que vous aurez aimé voyager avec nous en Bretagne Sud, autant qu'on aura aimé vous la faire découvrir. À bientôt.